Bonjour, moi c'est Loïc. Bonjour, moi c'est Lucas. Et on se retrouve autour d'un débat. On se retrouve aujourd'hui pour le tout premier épisode d'une nouvelle série intitulée Autour d'un débat. Dans ce format, vous pourrez nous retrouver, débattre autour d'un sujet, en se posant mutuellement des questions et en y répondant tous les deux. Comme Lucas l'a si bien dit, on va prendre un sujet, le décortiquer, discuter ensemble, donner nos opinions, notre avis, en fonction de nos connaissances actuelles. On va aussi se poser des questions mutuellement et on va essayer d'y répondre. Des questions un peu philosophiques, comme pour le sujet du jour qui est la mort. On pourra se poser des questions comme qu'est-ce qu'il y a après la mort ? Est-ce qu'on croit à la réincarnation ? Est-ce qu'on croit à un paradis, un enfer ? Ou pas. Donc voilà, on va discuter un peu de ces sujets, se poser des questions et essayer de décortiquer au maximum un sujet. Comme Loïc l'a si bien mentionné, le thème du jour est donc la mort. Alors, j'aimerais donc commencer ce débat par te poser une question toute simple. Est-ce que pour toi, la mort est un sujet tabou ? Un sujet tabou, c'est-à-dire dans quel sens ? Un sujet tabou à discuter ? Un sujet tabou qui fait peur ? Un sujet... Ben justement, du coup, est-ce que pour toi, ça t'arrive de parler de la mort comme tu parlerais de tes nouveaux vêtements? Bah évidemment que non, parce que la mort ne survient pas tous les jours déjà, donc je pense que j'y pense pas tous les jours non plus. Donc oui, mais ça m'arrive d'en discuter avec des gens. Mm-hmm. C'est pas un sujet spécialement tabou, mais c'est pas un sujet qu'on va aborder tous les jours. Mais c'est comme d'autres sujets, donc non. Et pour toi, est-ce que c'est un sujet tabou? Alors pour répondre à ta question, pour moi la mort n'est pas du tout un sujet tabou. Il n'y a aucune interdiction religieuse, par exemple, auquel je serais attaché, qui m'empêcherait d'en parler. Mais comme tu l'as si bien mentionné, ce n'est pas un sujet dont je parle, ne serait-ce que souvent en fait. J'en parle très peu, mais je n'ai aucun mal à parler de la mort. Mais du coup, qu'est-ce que t'inspire la mort, Loïc ? Qu'est-ce que m'inspire la mort ? Bonne question. Ça m'inspire, je pense que c'est synonyme de douleur, de souffrance. Et en même temps, de paix. Genre, c'est de la douleur et de la souffrance, entre guillemets, pour tes proches, pour les proches qui subissent ta mort, mais pour toi, au final, c'est un peu comme la paix, comme on dit, la paix intérieure. C'est la paix, techniquement, tu t'en vas et... Du coup, tu opposes comment tes proches vont vivre ta mort, et comment toi, tu vas la vivre aussi. Donc pour toi, ce sera un état d'extase où tu te sentiras super bien. C'est un peu ça. Après, je dis pas que je me sentirai en extase, mais je veux dire, s'il n'y a plus rien après, c'est un... La paix, il n'y a plus rien, c'est la paix, t'es en silence, il n'y a rien. Et oui, bah non, je ne risque pas d'être triste du coup, si c'est fini. Bah oui, du coup, s'il n'y a rien, comme tu le dis, bah après on oui, partira enfin, plus dans le détail un peu après, je pense. Là, on part de cette optique qu'il n'y a rien après, mais il y a plusieurs autres théories, voilà. On verra ça ensuite. Ouais. Mais dans cette optique, oui. Après, je pars du principe que je parle en règle générale, je parlais pas forcément de mes proches, je parle en règle générale. Ouais, ok. Donc c'est vrai que c'est drôle de voir ce paradoxe que bah, pour quelqu'un, parler de paix, et pour tes proches en tout cas, parler de souffrance, de douleur, de termes complètement opposés. Et toi, du coup ? Du coup, qu'est-ce que ça m'inspire, la mort ? C'est vrai que moi, ça m'inspire énormément de choses. La mort, c'est assez pluriel, comme tu l'as dit, là, par exemple, tu as opposé deux termes assez contradictoires ensemble. Donc tu as superposé la paix et la tristesse. Donc, moi, je pense qu'on peut même rajouter plein d'autres sentiments avec la mort, sachant que, du coup, la mort, certes, on n'en parle que très peu, bah, toi et moi, par exemple, mais dans le monde, sur la Terre, à chaque seconde, il y a des morts. Et là, je parle que des êtres humains, mais en plus, si on y mettait vraiment tous les êtres vivants qui mourraient, il y en aurait encore beaucoup plus. Mais... Donc, qu'est-ce que ça m'inspire ? Ça m'inspire un grand inconnu qui fait peur à beaucoup de gens. Je sais pas trop si moi j'en ai plus peur que ça, ce serait une autre question ici je pense. Mais voilà, plus un grand inconnu, on peut y mettre beaucoup de sentiments, beaucoup d'événements aussi. Donc voilà quoi, pour faire simple, je pense que la mort m'inspire un grand inconnu. Je suis d'accord, ça m'inspire aussi une sorte de mystère, car t'as quand même envie de savoir ce qu'il y a après, mais bon, pour ça il faut mourir. Faut passer le pas. C'est vrai que c'est assez intriguant aussi. Je l'ai pas souligné, mais c'est vrai aussi qu'il y a ce sentiment de mystère. Mais après, moi personnellement, quand je parle de mystère, c'est pas tellement savoir ce qu'il y a après en soi, parce que moi je pars du postulat qu'il y a, comme on l'a dit au début, même s'il y a d'autres possibilités, je mets plus de crédence au fait qu'il y a strictement rien en fait, qu'on s'arrête. C'est comme si on éteignait un ordinateur, il est plus là quoi. Mais du coup, c'est intriguant parce que en fait, ça peut survenir d'un bout à l'autre, tu vois, d'un moment à l'autre. Ça peut survenir même très simplement, très gentiment, j'ai envie de dire, mais ça peut aussi survenir très brusquement, tu vois.
la mort, c'est... Il y a vraiment énormément de choses à dire là-dessus. Donc je le vois aussi un peu comme ça, même si effectivement il y a quand même l'intérêt de la question de qu'est-ce qu'il y a après la mort. Même si la question de savoir ce qu'il y a après la mort est très vaste et très intéressante, pensez aussi au fait qu'il y a plusieurs facteurs et plusieurs choses très intéressantes à dire sur la mort. Parce que voilà, elle peut survenir d'un moment à l'autre, brusquement ou simplement, et ainsi de suite. C'est vrai que justement, on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, on ne sait pas comment on va mourir. On verra bien, c'est la vie. Et du coup, pour rebondir sur ce sujet, as-tu peur de ta propre fin ? Et est-ce que tu y penses ? Donc, est-ce que j'y pense ? Pour répondre, je dirais que je n'y pense que très peu. Ça m'arrive d'y penser, surtout quand quelqu'un de proche meurt, ou dans ce genre de situation de débat, où là, je vais parler à quelqu'un d'autre et où le sujet va être la mort. Mais en dehors de ça, est-ce que j'y pense, par exemple, quand je vais me doucher ? Je pense pas forcément à la mort, non. Est-ce que j'ai peur de ma propre fin ? Je pense pas avoir peur de ma propre fin. Parce qu'en fait, c'est inévitable, même si, et je pense qu'on pourrait aussi en revenir, en reparler dans l'épisode, même si on gagne le combat contre la mort, contre la sénescence, par exemple, au final, on mourra quoi qu'il arrive, parce que rien n'est immortel. On pourrait se comparer par exemple aux étoiles qui vivent des milliards d'années comparé à nous qui en vivons que des dizaines. Même elles meurent, donc tout meurt. Donc est-ce que j'ai peur de ma propre fin ? Je dirais que non. Et toi Loïc, dis-nous, est-ce que tu as donc peur de ta fin à toi ? Et est-ce que tu y penses ? Penser à sa propre mort, je pense que c'est inévitable. Tu sais, peut-être pas souvent, mais je veux dire, ça nous arrive plusieurs fois dans notre vie d'avoir des petites crises existentielles, entre guillemets. Souvent, soit après des événements forts, soit des moments comme le confinement, par exemple, tu vois. C'est des moments où tu te retrouves seul, et en fait, t'as pas grand-chose à faire non plus. Et du coup, c'est le moment où tu peux réfléchir sur ta vie, tu peux réfléchir sur plusieurs sujets. Donc oui, tu penses à la mort, comme tu l'as dit, après la perte d'un proche, aussi, ça peut survenir. Donc comme je disais, après un événement marquant. Aussi, je pense, quand tu vois des films ou des vidéos, des documentaires sur la mort, ou quand tu vois quelqu'un mourir d'une façon ou d'une autre, je pense que parfois tu peux te mettre à penser à ça. Moi, est-ce que j'y pense ? Comme je dis, pas souvent, pas spécialement. Dans ces moments, comme j'ai dit, peut-être dans des petits moments de crise existentielle, ou après quelques vidéos, quelques films. Mais non, pas si souvent que ça, je pense. Est-ce que j'ai peur de ma propre fin ? Je pense pas que j'ai peur. Parce que je trouve que peur, c'est quand même un grand mot. Mais oui, par exemple, ça me ferait chier de mourir avant d'avoir fait certains trucs. Mais j'ai pas spécialement peur de mourir. Parce que, comme tu dis, c'est inévitable et ça arrive à tout le monde. Donc le moment sera venu, voilà quoi. C'est plus une appréhension de se dire que je dois finaliser quelques objectifs, entre guillemets, avant de mourir. J'avais plus ça comme ça. Ok, effectivement. Du coup, partage ce que t'as dit. Pour finir sur cette question, je dirais que moi aussi, en fait... j'ai pas forcément peur de la fin, mais la fin, j'en ai pas non plus envie, tu vois. Ok, je vois. Et bon, du coup, on va dire que c'est un peu encore dans le thème. Mais pour toi, du coup, qu'est-ce qui est le plus effrayant ou triste dans le fait de mourir ? Moi, ce qui m'effraie le plus dans ma mort à moi-même, c'est la perte de ces souvenirs qui, pour moi, me forgent. Je suis mes souvenirs, plus que je ne suis mon corps, vu que mes souvenirs... Disons, je pourrais en avoir encore de ma petite enfance, alors que mes cellules de ma petite enfance ne sont plus là. Donc ouais, c'est, pour moi, c'est ça qui me forge un peu, qui forge mon être. Du coup, voilà, moi, je trouve que ça, c'est ce qui m'effraie le plus. Après, voilà, le mot est encore fort, parce que effrayé, je sais pas trop si ça m'effraie. Ça serait un peu chiant, surtout. Qu'est-ce qui serait triste aussi dans le fait de mourir ? Je pense que dans le fait... brut, donc dans l'instant où je vais mourir, quelle que soit la cause de ma mort, il n'y a aucun truc qui m'attristerait plus que ça en fait. Par exemple, je me prends une balle, ou sinon je meurs noyé, ou quoi que ce soit, je pense qu'il n'y a aucun acte qui m'attristerait. Même si c'est l'être aimé qui me tue, ça ne m'attristerait pas vu que je serais mort. Mais du coup, voilà. Mais après là, c'est très orthocentré, mais il faut savoir que... la mort, ça ne se vit jamais tout seul, hein. Bon, presque jamais tout seul. Il y aura du coup nos proches qui seront là et eux qui vivront encore. Du coup, on peut penser à ça, je pense, quand on parle de tristesse dans le fait de mourir, tu laisses un vide chez les gens. Et après là, j'ai parlé justement de ma mort, mais imaginons que quelqu'un dans mon entourage proche meurt. Qu'est-ce qui est triste ?
le fait que cette personne soit plus là, et etc. Mais voilà, du coup, je pense que j'ai oublié certaines choses, mais en gros, pour répondre à la question, quoi. Et toi, du coup, qu'est-ce qui t'attristerait ou qu'est-ce qui est le plus effrayant pour toi dans le fait de mourir ? Avant de répondre à la question, j'ai deux trucs à rebondir sur ce que t'as dit. Ok. Là, c'est au début, tu m'as dit que tu as peur surtout de perdre tes souvenirs, c'est ça ? Ouais. Mais du coup, est-ce que t'as autant peur de la mort que de l'Alzheimer, par exemple ? Ouh. Parce que du coup, elle fera te perdre tes souvenirs aussi. Ouais, effectivement. Mais après, tu vois, moi, je pars d'un postulat très simple. Et bon, un peu une fuite en avant, parce que je pense qu'on va en parler encore un peu après ces questions-là. Mais du coup, moi, quoi qu'il m'arrive dans ma vie, je veux qu'on me laisse la chance de vivre. C'est-à-dire, si du coup, j'ai l'Alzheimer, bah, laissez-moi quand même laissez-moi en vie, tu vois. Ou même si je suis dans le coma depuis 3 ans maintenant, laissez-moi en vie, tu vois. Donc, effectivement, perdre mes souvenirs, c'est, je pense, la chose qui m'attristerait le plus. Mais si j'ai encore une chance de les réavoir par un procédé même potentiellement magique, hein, du coup, je ne dirais jamais non, tu vois. Donc, avoir l'Alzheimer, c'est pas grave. S'il y a une suite à ça, si pendant 10 ans j'ai l'Alzheimer et boum, il y a un remède magique qui me rend ma mémoire, bah là, je serais tout à fait content. Donc, j'aimerais pas mourir pour... parce que j'ai eu l'Alzheimer et je me dis, bah, vu que c'est ça qui me définit, bah, ça sert plus à rien de vivre, tu vois. Non, je préfère me dire, il y a plus rien qui me définit, certes, mais il y a encore des chances. Je sais pas trop si ça répond à des questions. Ok, ok. Si, si, mais justement, mais vu que tu parlais de perte de souvenirs, ouais. C'est bon, il y a quand même des maladies qui existent qui te font perdre tes souvenirs. Ou même la raison. Et même, ouais, c'est ça, hein. Même la vie. Donc là, actuellement, on raisonne comme ça, mais bon, le jour où tu as une maladie mentale, est-ce que tu vas raisonner pareil ? On ne sait pas, mais bon. Ouais, mais c'est un autre débat aussi, mais je pense que, voilà, moi, j'ai dit ça à tous mes proches, tu vois. Donc, si un jour, je suis vraiment dans le mal, laissez-moi une chance. Vraiment. Mais du coup, actuellement, tu le dis, mais imaginons que quand tu es dans le mal, que tu leur dises que tu veux plus vivre, par exemple. Ouais, tu vois, mais faudra pas me croire. Faudra pas me croire. Il faudra croire le moi d'aujourd'hui que le moi... Ouais, mais le problème, présent, c'est que là, tu dis ça, parce que t'as pas vécu de... Par exemple, imaginons que tu souffres le martyr, bah, ouais. Je pense que là, actuellement, vu que tu le souffres pas, bah, tu peux pas ressentir cette chose, donc tu peux pas dire... Ouais, totalement. Là, tu dis, ouais, laissez-moi vivre, mais le problème, c'est qu'imaginons que tu dois souffrir le martyr pendant plusieurs mois à l'hôpital, tu dois subir des opérations à la suite et tout, bah, est-ce que cette fois, t'auras envie de vivre ? Je suis pas sûr, tu vois. Enfin, possiblement, mais je pense que t'auras quand même moins envie qu'actuellement. Ouais, franchement, ça se comprend, et je suis totalement d'accord, mais... Après, je me dis, surtout, tu vois, j'ai déjà eu mal, j'ai déjà eu même très mal dans ma vie. Mais je pense que... Oui, mais pas à un certain point, mais je me dis, en fait, même si t'as le plus grand des mal-être dans ta vie, ce sera jamais pire que la mort. Parce que pour moi, du coup, la mort, c'est un arrêt. Tu vois, je préfère avoir un ordinateur cassé que pas d'ordinateur, tu vois. Comment dire ça ? Quoi qu'il se passe dans ma vie, je pense que je préférerais vivre que mourir. Vraiment. Parce que j'ai pas envie d'arrêter, en fait. La vie, je l'aime bien, même si elle est triste, même si j'ai mal, même si mon 4 bras, la moitié de mon cerveau, bah, en fait, je préfère ça à ne plus rien avoir, tu vois. Non, je vois le raisonnement. Mais ouais, ouais. C'est vrai que moi, je pars quand même du postulat où je laisse l'option où on peut quand même vouloir mourir. Parce que je peux... Ah oui, ça, c'est sûr. Parce qu'en fait, moi, je pars du postulat que tant qu'on n'a pas ressenti... quelque chose, on peut pas vraiment comprendre, tu vois. On peut pas vraiment être apte à répondre 100% ce qu'on ferait dans ce cas-là, tu vois. C'est sûr. C'est comme beaucoup de fois dans la vie, on dit, non, mais moi, s'il m'arrive ça, je ferais pas ça ou je ferais ça, alors qu'au final, tu fais complètement différemment, tu vois. Ouais, franchement, totalement d'accord, mais voilà. Moi, j'espère garder cet esprit-là. Et bah, en fait, pas tellement espérer garder cet esprit-là, parce que si dans 50 ans, je me dis que bah, là, c'est bon, j'ai envie de mourir, bah, ce sera bien aussi, tu vois. Bah, c'est ça. Tant que tu fais ce que tu as envie, en fait. Parce que vu qu'on change, comme on l'avait dit dans l'épisode, je crois que c'est l'art subtil de s'en foutre, c'est qu'on change constamment dans tous les cas. On change constamment, d'avis, on change constamment de point de vue, donc voilà. Ouais, c'est clair. Je voulais rebondir sur un autre truc, c'est que tu disais, tu partais du postulat de ta mort, qu'il te reste encore des proches et tout, donc ils seront tristes et tout. Faut aussi penser qu'il y a des gens, parfois, ils meurent seuls aussi. Il reste pas de proches, t'es pas obligé de mourir. Avant tes proches.
C'est sûr. Tu peux mourir après tes proches, tu peux rester seul, tu peux mourir seul. C'est une possibilité aussi. C'est sûr. Mais bon, on va dire que nos proches sont encore là. D'ailleurs, petite question. Est-ce que tu préférais mourir avant tes proches ou après tes proches ? Du coup, voilà, pour répondre à ta question, après, parce que je souhaite ne pas mourir. Voilà, c'est pas méchamment ou quoi que ce soit, c'est juste que, vu que j'ai pas envie de mourir et que je sais que beaucoup de mes proches, eux, ils ont envie de mourir, par exemple, bah, pas tout de suite, mais ils se disent pas, ils ont envie d'être immortels, par exemple, bah, du coup, je préfère mourir après eux, quoi. Et toi, du coup ? Et moi, bah, pareil, j'aimerais mourir après mes proches, mais pas pour la même raison. Ok. Moi, ce serait plutôt que j'ai pas envie de faire endurer ma mort à mes proches, tu vois. Je sais ce que c'est de perdre un proche, tu vois, et bah, j'ai pas envie de leur faire endurer ça, tu vois. Donc, je préférerais mourir après, mais c'est pas spécialement parce que j'ai pas envie de mourir, c'est juste que j'ai pas envie de leur faire endurer la mort, quoi. C'est ouf, ça. Moi, j'aime énormément ce que tu dis là, ça veut dire que quand même, dans ta mort, tu t'oublies, quoi. C'est ouf. Tu mets avant toi les gens auxquels tu tiens, et après... en second plan, là tu apparais dans ta mort. Je sais pas trop si tu vois, mais. Le truc, c'est que moi, si je meurs, bah, je serais mort, ça me fait rien. Mais le problème, c'est que bah, quand tu pars, bah, le problème, c'est tes proches. Hein. Ça fait énormément de souffrance, énormément de douleur. Donc, bah, j'ai pas envie de faire endurer ça, tu vois. C'est déjà assez dur, je pense, de perdre un proche, donc bah, autant pas en rajouter un. Dans tous les cas, je vais mourir, donc autant ne pas faire endurer aux gens ma mort. Ok, j'aime beaucoup ta réponse. Passons à des questions un peu plus ludiques. Si tu peux savoir la date à laquelle tu vas mourir, est-ce que tu voudrais la connaître ? Cette fameuse question que je pense qu'on a tous déjà répondu dans sa vie. Moi, personnellement, non. J'ai pas envie de savoir. Moi, j'aime quand même comme une part de mystère. Pas dans tous les domaines, mais dans ce domaine, je préfère pas envie de savoir. Sinon, je pense que j'y penserais trop. Et ça me ferait plus de mal que de bien, je pense. Et toi ? Du coup, même si on te donne juste l'année de ta mort, t'es pas preneur ? Non, je veux pas. Ok, du coup, moi, oui, clairement. J'aimerais bien avoir la date de ma mort. En vrai, je sais pas trop à quoi ça servirait. Je pense que ça servirait à rien. Parce que je pense qu'on pourrait se dire ça nous servirait à faire plus. Vu qu'on sait que, par exemple, on va mourir dans 10 ans, là, on se dit, bah, j'ai 10 ans pour faire des choses. Sauf que c'est déjà le cas, en fait, sachant que tout le monde sait qu'il va mourir. Donc, en soi, on connaît un peu notre date de mort. C'est peut-être demain. Sauf que... Bah, ça change pas en fait, on va pas se donner plus d'opportunités à faire ce qu'on veut, alors même qu'on sait qu'on va mourir. Du coup, même si on connaît la date à l'heure près, je pense que ça va rien changer en fait. Mais du coup, ouais, je pense que je prendrai quand même parce que c'est relativement marrant de savoir quand est-ce qu'on va mourir. Surtout que après, ça donne aussi un peu de pouvoir mystérieux, tu vois. Si je sais que je vais mourir, imaginons dans 10 ans, le 1er janvier à 13h30, bah, ça veut dire que je peux faire tout ce que je veux et je vais pas mourir. Avant cette date-là. Du coup, voilà. Dans cette optique-là, je trouve ça assez marrant. Ça te donne un peu des pouvoirs magiques, quoi. Mais ça n'a aucun intérêt. Mais donc, dans ce cas-ci, ça serait de partir dans l'optique que le destin est écrit. Car tu dis que tu peux tout faire, donc ça veut dire que tu peux pas mourir autrement. C'est-à-dire que là, si je... C'est ça. Mais tu deviendrais littéralement un dieu, quoi. Parce qu'effectivement, si tu peux pas mourir avant 2030, 1er janvier, bah, c'est-à-dire si je te tire à bout portant dessus, tu survis. C'est ça. Donc, c'est vrai que c'est compliqué dit comme ça, tu vois. Ouais. Parce que du coup, au final, si tu sais que tu vas mourir à cette date, bah du coup, est-ce que tu n'essaierais pas de tous les moyens pour mourir ? Ouais, c'est ça. Du coup, je pense que cette question, c'est une question un peu ludique, un peu fun. Voilà, on connaît maintenant nos opinions sur cette question magique. Mais du coup, un peu plus sérieusement, un peu plus faisable, on va dire, à toi de nous dire justement, quelles seraient les choses que tu aimerais faire avant de mourir ? Justement, toi qui nous parlais tout à l'heure de choses à faire avant de mourir. Bien sûr, je ne vais pas tout dire ce que j'ai envie de faire avant de mourir, des projets secrets entre guillemets. Mais ce que je pourrais dire, par exemple, je pense qu'il y a pas mal de pays que j'ai envie de visiter avant de mourir, comme les États-Unis, le Canada, la Suède, le Japon, l'Australie et plein d'autres pays que j'ai envie de visiter. J'ai envie de visiter pas mal de pays, j'ai déjà une longue liste. J'ai envie aussi d'avoir une maison, des animaux de compagnie, des chiens, une famille. Des enfants, moi j'aimerais avoir des enfants, une femme aussi du coup. Non voilà, avoir ma propre famille entre guillemets, mes propres descendants. J'aimerais aussi pouvoir mettre bien ma famille que j'ai déjà. Qu'est-ce qu'il y a de fou aussi que j'aimerais faire ? Je pense que j'aimerais essayer un test 0G, le vol 0G. Ouais, clairement. Ça ouais, je pense. Sinon je vois pas vraiment qu'est-ce que... Là ça me vient pas en tête, qu'est-ce que je voudrais faire avant de mourir ? Là c'est, je pense que c'est les principaux trucs que j'aimerais faire. Okay. Après il doit sûrement avoir d'autres conneries. Un saut en parachute par exemple, bon ça c'est petite connerie mais je pense que c'est assez faisable. Bah et toi du coup ? Dans la limite du raisonnable, comme tu dis effectivement, faire du coup des voyages mais plus terrien. Donc visiter tous les pays, découvrir toutes les cultures ce serait vraiment ouf.
Du coup, en apprendre un maximum sur un maximum de sujets, vraiment. Après, tu parlais de maison et tout, par exemple. J'aimerais bien, effectivement, avoir une maison cool, une famille cool, etc. Mais après, je suis moins porté sur les objets. Donc, si j'ai pas de maison, c'est pas bien grave. Ouais, dans le côté fantastique, ce que j'aimerais bien, c'est voyager jusqu'à un trou noir, voyager dans l'espace entre les univers, voyager dans l'espace interstellaire, voyager dans l'espace interplanétaire et voyager déjà dans l'espace aérien, ce serait déjà pas mal. Hein. Du coup, moi j'avais parlé de choses un peu plus réalistes, mais toi tu m'as parlé de choses un peu plus fantastiques, donc je vais parler de choses plus invraisemblables. Je pense que j'aimerais voler déjà, j'aimerais aussi me téléporter, ce serait pratique. J'aimerais aussi voyager sur une autre planète. Ce serait fou de voir la Terre depuis une fusée, mais de le voir de mes propres yeux, pas depuis une caméra. Je pense que c'est tout, dans en tout cas ce qui me vient tout de suite. Bon, c'est vrai, c'est compliqué aussi de penser à tout, là je suis sûr que quand on va finir l'épisode, je vais repenser à d'autres choses, mais pour l'instant ce sera tout. Passons à la suite. Ok, ok. Qu'aimerais-tu que l'on fasse avec tes restes après ta mort? Donc ton corps, principalement. Même tes objets, hein, si tu veux en parler, peut-être que... Quel le type d'enterrement je voudrais? Ouais. Bah honnêtement, j'ai pas beaucoup réfléchi. Et j'ai plus connu des enterrements basiques dans un cercueil, donc pas d'incinération ou quoi. Donc je pense que je partirai là-dessus, personnellement. Et puis mes affaires, je sais pas, je pense que je les lèguerai à mes descendants, à ma famille qui reste. Okay. Je pense. Et toi, du coup? Avant de répondre, du coup, donc tu souhaiterais être enterré, mais tu veux pas quelque chose de particulier dans ton cercueil? Une tenue particulière, une... Franchement, j'ai pas du tout réfléchi à la question, donc franchement, actuellement, rien de spécial. J'y réfléchirai un jour, du coup. Je réfléchirai à ma tenue, à la musique que je voudrais qu'on mette, mais pour l'instant, j'ai pas du tout réfléchi. Et toi? Bah, du coup, pour répondre à ta question... Toujours dans l'optique de repousser la mort au maximum, j'aimerais être cryogénisé, ou cloné, ou sauvegardé. Toujours, moi je pense que la technologie peut nous apporter des réponses à beaucoup de choses, peut nous apporter des ajustements à notre corps, etc. La longévité de la vie, par exemple. Mais du coup, je me dis, peut-être que je vais mourir, mais qu'on pourra garder... mon être, on va dire, sous une certaine forme, pour pouvoir revivre dans un futur, même peut-être lointain. Du coup, je me dis, si c'est possible, autant garder mon être. Mais j'aimerais pas être brûlé, par exemple. Parce que, du coup, petite parenthèse sur l'incinération. Imaginez que pour l'incinération, votre âme est quelque part, même au paradis, imaginons, si vous croyez au paradis, et que vous ressentez tout ce que ressent votre corps. Tu te ressens brûlé. Ok, mais moi je pense juste que en fait tu ressens plus ton corps. Je pense que on part du postulat où l'âme se libère entre guillemets, tu vas dans un enfer ou un paradis. Si je pars de ce postulat, pour moi, tu ne sens plus du tout ton corps. Ton corps c'est fini. Genre. Mais du coup tu pars du postulat que ouais. Effectivement il y a pas de lien. Parce que sinon tu te sens pourrir aussi du coup quand t'es dans un. Ah oui. Ah non mais c'est ça. Donc pour moi je pars du postulat, on va dire que. S'il y a un après la mort, ton âme part autre part, pour moi, ton corps, c'est plus rien en fait, c'est fini. Genre, tu ressens plus rien de ton corps. Genre, t'as quitté ton corps. Espérons, en fait. Hein. Espérons. Voilà. Et aussi, tu disais un truc, mais ouais. Moi, je comprends le fait de parfois incinérer. Okay. Car par exemple, il y en a certains qui veulent se faire déverser leurs cendres à un endroit spécial, ouais. Tu vois, un endroit marquant. Ouais, c'est vrai. Je peux comprendre, tu vois. Mmh. Je peux comprendre que tu veux que on disperse tes cendres, par exemple. Imaginons là où t'as rencontré ta femme, là où tu l'as épousée, ou je sais pas, mais un événement très marquant. Je peux comprendre que tu veux qu'on déverse tes restes là-bas. Vu que pas partout, tu vois, on peut t'enterrer. Mais jeter tes cendres, on peut le faire un peu partout. C'est vrai. Bah ouais, parce que si t'es enterré, tu seras forcément enterré dans un cimetière. Et donc je peux comprendre, tu vois. Ouais, moi aussi. Mais voilà, du coup, moi, cryogénisation, équivalent, tout me va. Du coup, restons sur le thème. Comment veux-tu mourir? Du coup, comment j'aimerais. Mourir. La réponse va peut-être sembler assez loufoque, mais premier degré. La seule mort qui m'aille, c'est mourir en me laissant happer par un trou noir. Mais très peu probable, du coup. Mis à part ça, comment j'aimerais mourir? J'aimerais pas mourir, en fait. Donc, j'ai pas de réponse. Voilà. Mis à part le trou noir, vraiment, vraiment. Ça peut sembler bizarre, mais tout me va, vu que rien ne me va. Je sais pas trop si tu vois, mais que je meurs... tué par quelqu'un, assassiné, ou écrasé, ou même de mort naturelle, on va dire, comme ça. Bah, tout me va, vu que rien ne me va. Et toi, du coup, comment veux-tu mourir? Je pense que je répondrai dans le sommeil.
C'est très court, mais c'est la fameuse mort, sans souffrance, entre guillemets, partir en paix, c'est apaisant. Donc voilà, je pense que si je devais choisir, en tout cas, pour l'instant, je prendrais ça. Après, moi non plus, je voudrais pas mourir, quoi. Après avoir choisi notre mort, est-ce que tu crois à un après la mort? Même si on a un peu abordé juste avant, mais maintenant, parlons plus en profondeur. Ok, pour faire simple, vraiment, pour faire très binaire, non. Bien sûr, le non est pas à 100%, parce que effectivement, je ne sais pas, donc... Je porterai tout de même beaucoup plus de crédence au fait qu'il n'y ait pas un après la mort, quel qu'il soit, comme il est dicté dans les livres religieux ou même autres. Donc pour moi, vraiment, c'est une fin nette et précise. Cependant, j'aimerais croire en un après la mort. Vraiment, j'adorerais ça. Parce que bah, je me dirais que là, je vis, imaginons, 100 ans. Bah, c'est pas bien grave, parce qu'au final, il y a l'après la mort, du coup... c'est peut-être mieux que la vie, ouais, effectivement. Donc, j'aimerais croire en un après la mort, mais je n'y crois pas. Au fond de mes réponses sur cette question, bah, de l'observation, tout est voué à mourir, il semblerait quand même qu'il n'y ait pas grand-chose après, quoi. Et toi, Loïc, crois-tu à un après la mort? Alors, on en avait déjà parlé dans un épisode de Tour d'un livre, et je sais plus exactement ce que j'avais dit, mais si je devais répondre là naturellement, j'ai pas de réponse encore tranchée. Franchement, j'aimerais croire qu'il y en a un. En fait, je reste pas fermé à l'idée qu'il y en a pas. C'est surtout ça, en fait. Je reste pas fermé à l'idée qu'il y en a pas, mais je reste pas fermé non plus à l'idée qu'il y en a un. Ouais, non, mais... Ok, mais du coup, tu serais plus penché sur quoi, quand même? S'il fallait vraiment trancher? Aujourd'hui, là, en 2020, tu dirais quoi? Je pense que je dirais oui. Oui. Pour le côté, tu sais, il y a un truc chez l'homme, c'est qu'on aime se rattacher à autre chose. Enfin, je sais pas comment dire, ouais. Mais on aime... Avoir des dieux. On aime détacher ce qui nous arrive de nous. Je sais pas exactement comment on le dit. Je sais plus comment le formuler. Mais c'est qu'on aime se détacher un peu de ce qui nous arrive. Se dédouaner, ouais. Ouais, c'est un peu comme, tu sais, tout ce qui est délire, horoscope et tout. C'est pour ça que ça marche aussi beaucoup, tout ce qui est loi de l'attraction et tout. Je dis pas que ça n'existe pas. Enfin, pour l'astrologie, on en a déjà parlé, que voilà, mon avis là-dessus. Mais pour tout ce qui est loi de l'attraction et tout, je ne sais pas, possiblement... Moi, pour moi, c'est surtout de l'autosuggestion, l'interprétation, mais bon. Ça peut totalement être le cas aussi. Donc, je pense que oui, je dirais oui. J'aime ce côté un peu mystérieux, tu vois, ce côté tout ce qui est fantôme, réincarnation. En fait, il y a tellement de théories d'après la mort dans les cultures qu'à force de me renseigner, je continue de me renseigner un peu, que je trouve ça tellement fou que ça me donne envie d'y croire, tu vois. Alors que, bah, techniquement, c'est pas possible que toutes les cultures ont raison, tu vois. Il y a forcément quelqu'un qui a raison et que c'est pas les autres. Mais je trouve ça tellement beau parfois, tu vois, que je me dis, ouais. Bah, pourquoi pas y croire, tu vois. Que dans tous les cas, on va mourir, donc libre à chacun de croire ce qu'il veut. Du coup, si je comprends bien, il y a sur deux points de vue que j'ai compris ton discours. Alors, le premier que je crois faux, c'est tu nous dis qu'en 2020, donc, tu crois en un après la mort, mais pour te dédouaner. Mais je crois que c'est pas ça, le message à comprendre. Et je crois que le message à comprendre, c'est plutôt en 2020, tu dis que tu crois en un après la mort parce que t'as envie d'y croire, parce que vraiment, c'est cool. Est-ce que c'est pour te dédouaner ou est-ce que c'est parce que t'as envie d'y croire? Non, c'est pas spécialement pour me dédouaner, c'est que j'ai envie d'y croire. J'ai dit juste que l'homme, en général, aime ça, entre guillemets. Même si dédouaner, je suis pas sûr que c'est exactement le terme, je trouve plus mes mots, je sais plus exactement ce que c'est. Mais non, moi, c'est oui, j'ai envie d'y croire. Je me dis que ce serait bien, tu vois. Mais est-ce que ça répond à la question? Parce que en soi, moi aussi, j'ai envie d'y croire. Vraiment, j'ai vraiment envie d'y croire parce que je me dis, c'est mieux, tu vois. De toute façon, c'est mieux que rien de tout. Je pense que c'est mieux. Et du coup, j'ai envie d'y croire. Donc en 2020, j'ai envie d'y croire. Cependant, ma réponse reste non, tu vois. Moi, c'est oui. Donc toi, c'est quand même oui et t'as envie d'y croire en plus. Oui, mais c'est pas un oui à 100%. Tu vois, c'est pas un oui catégorique en mode... Je suis pas en mode un détracteur, en mode je reste pas fermé à l'option. Il y a absolument rien, que c'est la fin quand on meurt. Il y a plus rien. J'entends, je considère aussi. Je me pose encore beaucoup de questions là-dessus. Je suis pas encore assez renseigné sur le sujet non plus. Mais actuellement, de ce que je pense, j'y crois qu'il y a un après la mort. Ok. Mais voilà. C'est pas un avis complètement tranché encore. C'est un avis que je changerai sûrement avec le temps, à force de me renseigner. Mais j'adore voir vraiment la perception de l'après la mort dans les cultures. Voir comment c'est différent, comment telle culture pense à ça. Mais j'aime bien, moi j'adore. J'adore toutes les théories après la mort, j'adore. Je te rejoins énormément là-dessus, vraiment. En fin d'épisode, on va vous donner des sources sur le sujet. Mais effectivement, moi aussi, je partage cet avis. Je regarde plein de vidéos là-dessus. Tu nous en avais déjà parlé... Le petit reportage sur Netflix, j'ai commencé à regarder, par exemple. Et vraiment, effectivement, c'est tellement beau. Et ça rejoint à la toute première question, je crois. C'est, du coup, la mort est très plurielle. Parce que nous, on voit ça comme, dans le côté occident,
Comme tu as dit, toi, par exemple, tous les enterrements auxquels tu as assisté, ce sont des enterrements purement occidentaux. Du coup, il y a, je suppose, personne qui faisait la fête. C'était plutôt un jour de deuil, tu vois. Alors que dans d'autres cultures, c'est pas du tout la même chose, etc. Donc, ça rejoint vraiment la question 1 ou 2. C'est très pluriel. Et c'est ça qui en fait la beauté, hein, de cette question sur la mort. Du coup, moi, j'aurais donc une dernière question à te poser. Que penses-tu de ce que nous permettraient de faire les technologies sur le rapport de l'humain avec la mort? Qu'est-ce que ça t'évoque? Bah, je pense tout bonnement augmenter l'espérance de vie, comme ça a toujours été le cas, en fait. C'est grâce aux technologies, aux avancées médicales, qu'on repousse l'espérance de vie. Donc, je pense que ça va sûrement faire ça. Toi, les technologies vont nous permettre de faire retarder ce moment, du coup, qui est la mort. Pour moi, oui, comme c'est déjà le cas. Du coup, ça t'inspire quoi de bonnes choses? Tu es plutôt content, plutôt mitigé, un avis? Mitigé, c'est cool. Enfin, qu'est-ce que je te dis, c'est toujours bien de vivre plus longtemps, dans la limite du raisonnable, parce que comme on avait déjà discuté dans l'épisode sur le transhumanisme, si je me trompe pas. On avait dit que moi, j'aimerais pas une vie immortelle, mais repousser un peu quelques années, bien sûr. Faudrait aussi arrêter la fameuse sénescence. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais tu t'y connais un peu plus que moi sur le sujet. Mais donc, notre vieillissement tout court, en fait. C'est ça. Ok, effectivement, après, on avait déjà donc répondu à cette question dans l'épisode d'autour d'un livre traitant le transhumanisme. Donc, je vais y répondre aussi assez succinctement. Moi, je pense que les technologies vont vraiment nous permettre de faire des choses vraiment épatante, si on s'en donne les moyens, bien sûr. Toute technologie dépend de son utilisateur, mais je pense qu'on peut effectivement retarder le moment où la mort va arriver. Mais pas que, effectivement, je pense que maintenant, il pourrait y avoir des suivis dans justement ce processus de mort, donc faire en sorte que les malades meurent avec moins de souffrance, donc ouais, accompagner les gens dans leur mort. Du coup, t'aurais une dernière question de ton côté, Loïc? Une dernière un peu... sans rapport, mais avec un rapport quand même. Qu'est-ce que tu penses de la peine de mort? Est-ce que tu es pour ou contre? Je dirais que... Alors, comme tout à l'heure, pour faire vraiment la réponse binaire, non. Même si pour le coup, je suis plus porté sur le non, on va dire à 99,99%, peut-être qu'un jour je serai pour, mais actuellement, je trouve ça assez incohérent. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous donne le droit en tant qu'humain de tuer un être humain, même qui aurait tué un être humain avant? Quand est-ce qu'on a le droit de dire, lui, on va le tuer? Je sais pas, il a fait du mal, c'est un danger pour la société. Je pense que c'est se mettre dans la place du méchant, on va dire, hein, donc de la personne qu'on doit tuer. Donc voilà, moi je pense que c'est pas bien la peine de mort. Moi je voterai contre, en tout cas. Parce que c'est, en fait, je trouve ça assez contradictoire, en fait. C'est assez bizarre comme manière de faire. On tue les gens qui tuent. Mais du coup, on est tueur à notre tour. Je trouve ça assez paradoxal, quoi. Après, bien sûr, on pourrait faire vraiment juste un épisode sur la peine de mort, je pense. Pourquoi? Parce qu'on pourrait se mettre dans la peau de quelqu'un qui voit la personne qui a tué sa petite fille, qui a fait ce genre de choses. Et comme tu as dit, hein, vu qu'on ne l'a pas vécu, là, je donne une réponse très simple, très courte. Mais peut-être que dans une autre situation, je dirais, mais non, bien sûr que si, il faut la peine de mort pour un tel ou un tel, mais je dirais quand même, plus non, je pense pas que ça soit bien. Et toi, du coup, Loïc? Moi aussi, je suis contre, pour à peu près les mêmes raisons que tu as évoquées. Donc déjà, le fait de vouloir ôter de la vie de quelqu'un, par exemple, s'il a tué quelqu'un, c'est purement de la vengeance. Et je suis d'accord aussi avec toi, le fait de... Actuellement, on est contre, parce qu'on n'a pas vécu forcément, je sais pas, un crime sur une personne proche de nous. Donc on n'a pas cet esprit, on n'a pas les émotions qui parlent, tu vois. Je comprends tout à fait qu'on peut avoir cette émotion, cet esprit de vengeance, on comprend pas cette injustice, en gros. Je peux comprendre le sentiment que les gens peuvent ressentir. Enfin, je le conçois, même si je n'ai jamais vécu. Mais j'arrive à le concevoir. Mais c'est vrai que du coup, oui, on peut pas ôter la vie de quelqu'un juste par vengeance, juste par pure émotion. Et d'ailleurs, il y a une vidéo sur le sujet de la peine de mort, de Cyrus North, qui en a fait même deux vidéos, mais qui a fait une vidéo récente où il a changé d'avis, qu'il est contre aussi, et qui donne tous les arguments pour moi qui sont presque irrévocables. Pour moi, c'est de la pure logique, entre guillemets. Et surtout aussi qu'il y a une raison aussi, si je me rappelle bien, c'est qu'au final, si tu tues quelqu'un, quand tu ôtes la vie de quelqu'un, en fait, tu le libères un peu, en fait. Genre, par exemple, quand quelqu'un fait un crime, parfois, ça arrive que... Je pense que c'est plus dur de vivre avec ça
de repenser à ce que t'as fait, de te remettre en question dans la prison par exemple, quand t'es tout seul, quand t'es isolé. Surtout les conditions de vie en prison sont pas forcément bonnes dans certaines. Mais je pense que ça doit être très dur mentalement de te dire pendant plusieurs années, mais tu repenses à ce que t'as fait, tu vois. Tu peux te dire que t'es inhumain ou je ne sais quoi. Pour moi, je pense aussi que rester enfermé, c'est plus dur que la mort. La mort serait une libération pour le prisonnier. Ouais, ok, je vois, totalement. Bon, est-ce que ce serait pas là-dessus qu'on va conclure cet épisode, à part si tu as des choses à rajouter? Non, pas spécialement. En vrai, il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, comme, comme tout simplement la réincarnation. Bah, en fait, même si on en a déjà parlé dans certains épisodes, mais je pense que ça irait plus dans un débat autour de l'âme, par exemple, l'esprit. Mm. Je trouve on parlerait vraiment de l'après-mort. Là, on parle vraiment de la mort, mais de parler de l'après-mort, de tout ce qui est même esprit, fantôme, tout ce qui est aussi voyage astral, tout ce qui est l'expérience de mort imminente que j'ai évoquée tout à l'heure. Je pense que il faudrait aussi un autre débat plus sur l'âme, l'esprit, pour parler de ces sujets. Je pense qu'on le fera sûrement, parce que moi je trouve ça fascinant. Et on pourra aussi parler des différentes croyances des gens sur l'après-mort. Qu'est-ce qui se passe ensuite, l'enfer, le paradis, l'incarnation, etc. Je pense qu'on dédiera un débat à ça. Ouais, totalement. Ouais, je pense qu'effectivement on n'a pas fait le tour, hein, vraiment pas du tout. On a fait qu'effleurer le sujet, mais voilà, bon. Alors, en plus, c'est le tout premier épisode de ce nouveau format. Que je vous invite à aimer et partager. Mais du coup, quelques petites sources avant de conclure, de finir cet épisode. Donc moi, je vous invite à regarder toujours cette fameuse chaîne The Flare, qui parle plus du côté technologique autour de la mort. Après, le documentaire de Absol Vidéo sur la mort, justement, en quatre parties, si je me souviens bien, qui parle plus profondément du sujet. Et comme tu l'as dit, les vidéos de Cyrus North, toutes les vidéos philosophiques, je pense que ça pourra être un complément sur le sujet. Du coup, oui, comme je disais aussi, oui, c'est vrai qu'on n'a pas fait non plus le tour du sujet. On a surtout parlé de la mort en soi, pas forcément de l'après-mort, même si on l'a évoqué vite fait. Mais bref, on verra ça plus tard. Et sinon, en question ressources, comme tu as dit, les fameuses vidéos de Cyrus North sur la philosophie, que moi j'adore. J'adore souvent ses vidéos, j'adore sa façon de penser. Là qui me vient en tête aussi, oui, Absol, comme tu as dit. Il y a pas mal de documentaires aussi, Arte, je pense, qu'on peut retrouver. Pour les différentes religions, croyances, je pense que je vous conseille The Story of God avec Morgan Freeman sur Netflix, que j'ai déjà proposé dans un épisode autour d'un livre. Mais si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille. Je pense que c'est ce que je me souviens actuellement. Si je retrouverai le souvenir de d'autres, je les donnerai soit sur les réseaux, soit dans un prochain épisode. Mais pour l'instant, je pense que c'est tout. Et ben, c'est excellent. Hein. Bah, je pense qu'on peut se dire au revoir là-dessus. On se retrouve autour d'un livre mardi prochain.